Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu faire les vidéos de que I'm back. Je suis de retour et je vais essayer de faire quand même une vidéo par semaine. Let's go. Donc aujourd'hui, je vais tester le correcteur de NARS et j'ai acheté aussi un blush de NARS. Et voilà, je commence par le concealer. Et moi, j'ai pris Medium to Ginger. Voici le packaging. J'aime bien, c'est simple et élégant. Du coup, je teste au niveau des cernes. Je mets un petit peu comme ça. Encore un petit peu là. Et hop. En fait, je mets très peu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer le maquillage pour tous les jours. Voilà. Donc je vais pas mettre trop. Voilà le résultat. En fait, moi j'avais déjà testé le petit format de ce concealer et j'avais trop aimé. Du coup là j'ai racheté pour vous montrer en plus. J'aime bien le résultat, je suis convaincue de racheter la prochaine fois aussi. Donc un petit cerne éclat texture crémeuse. Je vais fixer le concealer avec la poudre banana 03 de Fenty Beauty. Je fixe un petit peu avec ça, avec le pinceau. Je mets un petit peu et voilà, je mets comme ça partout. Et tapote. J'ai mis le CC crème herborien, soin illuminateur de visage haute définition. C'est la teinte claire. Il y a le SPF 25 dedans. Du coup, pour tous les jours en ce moment, j'utilise ça. Et j'ai mis une goutte de Bouncing Drops concentré avec l'illuminateur. C'est paille, je pense qu'on dit paille. Voilà, pour bronzer un peu le visage. J'ai mis qu'une seule goutte. Voilà. J'ai mélangé avec ça et j'ai mis aujourd'hui. Je vais tester le blush de NARS. Fard à joues poudre orgasme. Très joli packaging. Avec un miroir. Et on lève ça et on teste ça. Et je teste ça. J'ai mis à partir de là en fait. Sur les hauts des pommettes. Si vous voulez, vous pouvez mettre là aussi. Sur la caméra, on voit pas trop, mais je sais pas. Attendez. J'ajoute encore un petit peu. C'est un petit peu pailleté en fait. Il y a des paillettes dorées dedans. Dans la caméra, on voit pas trop, j'ai l'impression. Mais dans le miroir, on voit bien le blush en fait. J'ai pas envie de mettre trop parce que je dois sortir après. Mais franchement, c'est joli. C'est vraiment joli.
Donc voilà les filles. Les filles ou les garçons. Parce que il y a des hommes aussi qui aiment bien maquiller. Donc voilà. Faut pas oublier tout le monde. Ils sont bienvenus sur ma chaîne. Donc franchement, j'aime trop ce blush. Ça fait longtemps que je voulais tester et voilà. Enfin j'ai testé. J'aime trop. En fait moi j'avais déjà testé le mascara de Nars. C'est Climax Mascara de Nars. Ça donne du volume, j'aime bien. Du coup voilà, j'ai testé aussi pour vous. C'est ça la brosse, voilà. Et j'ai mis de mascara. Du coup, voilà les filles, j'ai mis de mascara. Ça donne du volume quand même. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai mis le rouge à lèvres de Make Up For Ever Artist Nude Crème. C'est bien pour... j'aime bien pour tous les jours. Après, je vais tester le concealer sur une journée pour voir si ça tient pour toute la journée. Si... il n'entre pas dans les plis et tout. Je vais voir ça sur une journée, je vous dirai si ça vaut le coup d'acheter ou pas. J'espère que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo surtout. Et à bientôt. Bye bye.